J'étais en national avec Lille et puis j'ai joué dans quelques clubs étrangers aussi l'année dernière. J'ai fait le choix de continuer l'aventure avec Lille en pro. Ça me semblait être un projet très intéressant pour le club, pour moi personnellement, de revenir en pro. Voilà, on a un objectif du maintien, qu'on est dans les clous. Dans une carrière, on a des hauts et des bas forcément. La saison avait bien commencé, et pour le club, et pour moi aussi personnellement, avec un niveau de jeu plutôt bon. Deux, trois petits matchs qui n'ont pas tourné en pro. On sait très bien qu'Oping, ça va vite dans un sens comme dans l'autre. On est sans cesse amené à refaire des compètes, donc des fois on gagne, des fois on perd. Les conditions sont complètement différentes, on sent vraiment un peu plus de professionnalisme clairement. Le fait de jouer sur une table avec du public, on a la chance à Lille d'avoir plutôt pas mal de monde. Pour de la Pro B, c'est vraiment chouette d'y jouer. Donc ça fait plaisir de jouer dans des salles pleines, surtout avec l'année qu'on a vécue à jouer à huis clos partout. Donc ouais, c'est très sympa effectivement de retrouver le monde pro, même si la N1 est de plus en plus pro et le niveau est très très fort également. Mais le fait de jouer sur une table avec l'attention portée sur nous, c'est quelque chose que j'aime bien. Ouais. Sur mon jeu, non, parce que le Romain Lorenz de la Pro, c'est le même que le Romain Lorenz de la Nationale ou quand je joue à l'étranger. Je pense que j'ai eu une attitude en match qui est tout le temps la même. J'ai tout le temps envie de gagner et j'essaye tout le temps de donner mon max, que ce soit en Pro, Championnat de France ou même sur des compètes moins importantes. Donc non, pas d'impact sur mon jeu, mais c'est juste que ça fait plaisir de jouer sur une table et devant du public surtout. Mon quotidien, il est toujours à l'INSEP. Au niveau de l'entraînement, il a quand même un petit peu évolué puisque j'ai repris mes études l'année dernière, un BTS. Donc là, je suis en deuxième année. Donc j'essaie de concilier au mieux les études qui me prennent un petit peu de temps et les entraînements. Je m'entraîne peut-être un tout petit peu moins qu'auparavant. Mais j'essaye de faire mon max, de m'entraîner quand même tous les jours, ça c'est sûr. Une fois ou deux, selon un peu l'emploi du temps. Pour jongler avec les deux, mais ça se passe plutôt bien. J'essaye de mener à bien les deux coins. Pourquoi repris les études? Tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier qu'une carrière de ping ne dure pas jusqu'à 75 ans. Il faut penser un petit peu à l'après. J'étais dans une période où le ping c'était un petit peu moins bon, il ne faut pas se le cacher. Je me suis dit que faire autre chose avec un projet derrière, un petit peu plus long terme, ça serait pas de trop, et j'ai la chance que ça soit à l'INSEP en plus. C'est un BTS management commercial et opérationnel, avec quelque chose dans le monde du commerce qui me plaît bien. J'ai un ami qui a racheté un magasin de jouets il y a peu de temps. On a potentiellement le projet de monter un truc ensemble un petit peu plus tard. Alors il n'y a pas de date précise, pour l'instant c'est ma carrière de ping mise en avant. J'avais déjà mis un petit peu le pied dans le monde avec lui, dans le monde du commerce, sans les études. Voilà, on en avait parlé ensemble et je me suis dit qu'avoir un petit bagage supplémentaire, ça pouvait pas être perdu, ça pouvait m'apprendre quelques trucs pour le futur. Donc en plus d'avoir un diplôme, au moins je vois un peu, je revois parce que j'ai pas été beaucoup à l'école, ce qui est un peu le monde scolaire, ce qu'on peut y apprendre, et puis à côté ce qui se passe réellement au sein des entreprises. Quoi. Oui, clairement, j'adore le ping, j'ai de la chance de vivre de ma passion, donc il y a pire. J'aimerais toujours mieux jouer, je pense tout le monde qui est dans cette salle. Mais peut-être que je joue certainement un petit peu moins bien que quelques années en arrière. Je m'éclate toujours dans une salle de ping, que ce soit à l'entraînement et en match, donc tout va bien. Il ne faut pas oublier qu'on fait un sport, qu'on vit de notre passion. Si demain je vais à la salle, à l'entraînement à reculons ou en match à reculons, je pense qu'il sera temps de ranger la raquette. C'est pas le cas, donc faut profiter de ces années-là parce qu'elles sont quand même chouettes. Ouais, clairement, c'est sûr qu'au moins, je dirais qu'il y a des points positifs et négatifs dans les deux. Quand on a que le ping, au moins on sait qu'on est focus à 100% sur le ping et que on fait tout pour
être le plus performant possible. Moi maintenant j'ai aussi les études à gérer et l'objectif de boucler ce BTS le plus rapidement possible. Des fois je rentre de compète, il faut que je bosse un peu ou le lendemain matin je vais en cours. Alors ça a des côtés positifs, ça a aussi des côtés un peu plus compliqués parce qu'effectivement t'as aussi d'autres trucs dans la tête. Des fois tu sais que il faut que tu rattrapes un truc et puis t'as match de pro le lendemain, donc t'es un peu plus peut-être un petit peu moins concentré ou l'énergie qui peut se perdre un petit peu. Mais je pense que j'ai plus 16 ans et je pense que j'arrive plutôt à gérer correctement.